Let's go do this! Let's go boys! Let's go! Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy... Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy Trike et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et qui dit vidéo du dimanche dit vidéo découverte de jeux mobiles. Et aujourd'hui les amis, on part sur du Tom Clancy's Elite Squad de Ubisoft. Alors, tout d'abord, avant que la vidéo commence, surtout n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si ça vous fait toujours plaisir que je fasse ce genre de vidéo le dimanche. À me dire dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu ou si vous y comptez jouer, ou bien même si vous avez un autre jeu à me présenter, hein, que vous voulez que je fasse en vidéo. D'ailleurs, la liste est longue, hein, donc continuez à la rendre encore plus longue. Et donc, du coup, les amis, sans perdre de temps, on perd pas de temps, et on va directement à l'affichage, eh ouais. Donc les petits potes, alors ce jeu, c'est pas une réelle découverte du coup en vidéo, tout simplement parce que j'ai voulu y jouer un tout petit peu afin de savoir si je voulais absolument le faire en vidéo. Parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, moi je l'avais vu quand il était déjà en bêta, je l'avais pas essayé parce que je pouvais pas. Parce que c'est un jeu de type gacha et c'est vrai que les jeux de type gacha ça m'a jamais réellement attiré. Parce que je pars du principe que c'est pas toi réellement qui a le choix. Enfin si t'as le choix mais voilà c'est bizarre. Tout ce qui est mode gacha je suis pas trop fan. Là celui-ci j'ai essayé et quand je vous dis que la première fois que je l'ai téléchargé j'y ai joué jusqu'à 3h du mat. Et bah j'y ai joué jusqu'à 3h du mat. Alors vous allez me dire c'est pas possible t'avais plus d'énergie. Et bah j'ai casqué de l'argent. Donc c'est vous dire que ce jeu là du coup je suis devenu accro. Et du coup bah maintenant j'en suis à quel level déjà? Attendez, j'en suis déjà à level 23. Voilà, ça montre un peu que j'ai quand même un peu trahir le jeu, quoi. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter? Bon, en vrai, il y a du classique, hein. Il y a des guides, des missions quotidiennes, il y a des events, il y a le shop, il y a la campagne, il y a l'arène et il y a prochainement. J'aime bien ce que je dis, il y a le prochainement, mais voilà. On ne sait pas ce qu'il y aura, mais c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui arrivent. En haut, vous avez toutes les ressources. Voilà, il y a le Discord, voilà, il y a tout. Il y a des récompenses quotidiennes également. En vrai, voilà, j'ai fait le tour, hein, de mieux l'interface. Vous avez du coup une panoplie de soldats. Donc là, voilà, moi j'en ai pas mal, hein. J'en ai combien? J'en ai 12 sur 77, ce qui est bien. Voilà, il y a quand même énormément de soldats. Moi j'aimerais bien tous les avoir, hein, donc peut-être que je les aurai tous, peut-être pas, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que merde. On verra bien, hein. Il y a les objectifs du coup qui vont vous rapporter bah, voilà, des ressources qui vont vous permettre d'améliorer vos soldats parce que chaque soldat a des compétences que vous pouvez améliorer. Et si vous voulez qu'un soldat ait une compétence en particulier vraiment forte, vous pouvez lui faire. Voilà. La campagne, bon. La campagne, c'est pas une seule et unique campagne. Voilà, vous avez différentes campagnes. C'est-à-dire que moi j'ai la campagne Umbra, il y a la campagne Allié, la campagne Pègre. Et la campagne combat approché. Alors la pègre, du coup il me faut niveau 25. Moi je suis niveau 23 pour le moment, ça va pas être possible. Pareil les campagnes, vous pouvez pas les tracer comme ça parce que je vais vous montrer juste après. La guilde, bon là j'en ai pas. Les opérations quotidiennes, bah là je les ai pas fait ces derniers temps. Ça fait 2 jours que j'ai pas pu y jouer. Voilà, on va aller dans la campagne, je vais vous montrer un peu. On va aller dans la campagne Ombra. Donc là je suis déjà à 45%. Et donc là vous voyez que la valeur du coup de ce combat il va être de 13 500. Et moi il va falloir que mes soldats réunis fassent du coup plus que ce 13 500. Alors bien sûr vous avez un nombre de soldats maximum à pouvoir utiliser. Donc là voilà, attendez, je vais tous les retirer. Donc là à gauche du coup j'ai trié mes soldats automatiquement par valeur, voilà leur niveau. Après vous pouvez sélectionner soit ceux qui sont en défensive, soit les healers ou soit du coup les soutiens. Alors, moi jusqu'à maintenant je suis une brute, je prends toujours les plus forts. C'est triste à dire mais je prends toujours les plus forts. Après pour améliorer, ce qui va être vicieux c'est de ne pas spécialement améliorer toujours les plus forts. Parce que sachez que dans les nouveaux soldats que vous allez débloquer, il va y avoir des soldats qui sont plus forts mais qui sont pas encore assez forts. C'est à dire qu'il faut les améliorer. Et par exemple elle, je sais pas si elle est forte, donc je verrai plus tard. Mais je sais qu'il y en a certains, par exemple lui il faut absolument que je l'améliore parce que lui je l'aime bien. Donc là on va l'améliorer, on va l'entraîner. Voilà, ça me coûte 16 000, il passe niveau 23. De valeur 2400, c'est parfait. Après je vous laisse faire votre propre avis pour le moment. C'est pas à moi de vous dire qui est le plus fort parce que je suis pas apte à le faire tout simplement. Je suis pas spécialiste dans ce genre de jeu. Donc moi je vous donne juste des petits conseils. Alors voilà, il y a des ordres de combat en plus de vos soldats. C'est à dire que pendant la game vous allez pouvoir pas invoquer mais lancer des attaques, ou bien même lancer des défenses, ou bien lancer un ordre de heal. Donc là vous avez vu le bouclier, là vous avez le focus, c'est-à-dire que vous allez choisir un ennemi adverse et tous vos soldats vont tirer sur celui-ci jusqu'à qu'il soit éliminé.
Voilà, la frappe aérienne, ça c'est du classique. Assistance médicale. Alors l'assistance médicale, je l'ai pas réellement utilisée, donc je vais pas pouvoir plus vous en dire parce que j'ai pas encore eu le temps et j'ai pas spécialement l'envie de l'utiliser. Je trouve pas ça utile. Et par contre, celle-là, ordre de recharge. Alors là, la recharge, c'est quoi? C'est que chaque soldat a une sorte d'ulti. Et cette ulti, votre soldat va l'utiliser automatiquement une fois que sa barre est rechargée. Et avec ceci, sa barre se recharge direct. Et du coup, ça vous permet d'attaquer avec l'ulti direct. Et celle-ci, du coup, l'IEM, je ne l'ai pas encore utilisée, donc je ne vais pas plus pouvoir vous en dire. C'est vrai que jusqu'à maintenant, celle que j'utilise le plus, c'est le focus et la recharge, ou bien même le bouclier. Mais le focus aussi, j'aime bien. Donc là, du coup, vous avez vu que si je prenais tous mes meilleurs soldats, je suis à 12 844 sur 13 500. En vrai, je pense que c'est faisable. Je peux essayer, mais c'est pas dans mon intérêt. Lui, il est vraiment fort, je pense qu'il est vraiment fort. Donc, on va l'améliorer, niveau 23. Voilà, parfait. Donc là, on voit les compétences que je vais pouvoir améliorer. La baïonnette, l'holster, voilà, parfait. Donc là, il est à 2828. Attendez, là, j'ai quoi Ah, c'est... Ok, donc lui, c'est un soutien, il me le faut. Donc là, j'ai un défensif, un soutien. Lui, si c'est un... Ok, d'accord. Lui, c'est... je crois que c'est un déf... Non, c'est quoi? C'est un healer? Ah, ok, c'est un healer. Parfait. Et elle, c'est... Je crois... Elle, c'est un soutien aussi, non? Ouais, c'est un soutien. C'est bien ce qui me semble. Ok. Donc, je vais améliorer ce que je peux améliorer. Très clairement, n'hésitez pas à améliorer. Au début, c'est ce qui va vous permettre d'aller plus vite. J'aurais pas dû quitter comme ça. On améliore. Allez, let's go. Ça, j'ai pas besoin. Et... La montagne, j'améliore. Alors, faut savoir, c'est que tous ces personnages-là, ils sont dans Rainbow Six Siege, mais Rainbow Six Siege, à part avoir regardé quelques streams ou quelques vidéos, je m'y connais pas du tout. Voilà. Donc là, maintenant, on peut voir que je suis passé à 13 897, donc on va tout de suite partir, du coup, continuer cette campagne. Et sachez que la campagne, vous ne pourrez pas la faire en one shot, vous serez obligé d'aller faire des missions quotidiennes et autres pour, voilà, pour continuer l'histoire. Donc là, on voit les troupes ennemies en face. Donc là, je vois que ma montagne, elle est en train de se faire focus. Donc moi, je vais focus leur montagne à eux aussi. Allez, la frappe aérienne, c'est parti. Donc là, il n'y a qu'une vague sur une vague. Donc là, vous ne voyez pas, mais derrière moi, il y a 1 sur 1. C'est le nombre de vagues. Qu'est-ce qu'une vague? C'est le nombre de passages d'ennemis. C'est-à-dire que moi, j'ai qu'une seule troupe. Eux, ils peuvent en avoir 2, 3. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu plus. Donc là, vous avez pu voir, du coup, différents ultis de mes soldats. Bon, là, c'est la win. Mais vous voyez leur barre de vie juste en dessous, c'est la barre de leur ulti. Qui du coup est utilisé automatiquement une fois qu'elle est rechargée. Donc là, c'est vrai que j'ai pas mis l'item recharge, j'ai l'item frappe aérienne et focus. Ça passe aussi. Mais c'est vrai que la recharge, elle est vachement pratique quand vous avez un soldat qui a besoin d'être rechargé parce que soit c'est vital, soit c'est parce que c'est le dernier. Bon, voilà, là c'est la victoire. Parfait. Continuez. Donc voilà, donc là on passe directement à du 14 750. Là je crois que j'ai totalement pas assez. Donc on va pouvoir quitter là. Et on va partir, du coup je pensais faire ça en vidéo. On va partir en arène. Alors, l'arène, de ce que j'ai remarqué, je sais pas si c'est comme ça temporairement ou sera comme ça tout le long du jeu, mais le rank, du coup, ça ne dure que une semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est automatiquement renouvelé. Donc ça, c'est bien, ça évite que les gens qui travaillent tout un mois, et bah du coup, ils prennent grave de l'avance à ceux qui commencent. Mais du coup, ça te dit que t'es obligé de travailler toutes les semaines. Voilà. Après, bon, c'est un jeu, c'est fait pour jouer. Bah du coup, on va aller faire en game. Donc normalement, je crois que ça va être easy benef. Donc là, je vais tout retirer. Alors. Là, la valeur d'ennemi, c'est en point d'interrogation. Vu du coup, c'est de la ranked, je vais tomber contre d'autres joueurs. Donc, je ne sais pas encore contre qui je vais tomber. Tout dépendra du coup, bah, de rien du tout, hein, de la chance que j'ai. Donc là, je vais prendre recharge. Je vais prendre la montagne. En vrai, il me semblait bien. Par contre, elle, je suis pas trop fan. Je sais pas s'il me faudrait. Parce que là, du coup, j'ai 2 soutiens, 1 heal. Bon, je vais prendre lui. Et on va l'améliorer. Voilà, tac. Niveau 23, parfait. Et du coup, ben, on est let's go. Donc là, voilà, j'ai dépensé des énergies de combat. Oh, donc, oh easy, 12 000. Ok, let's go. Par contre, faut pas que je me trompe. Hein, parce que ça veut rien dire, la valeur. Ça veut totalement rien dire. Je vous cache pas que j'ai pu gagner comme j'ai pu perdre contre des valeurs inférieures. Le focus sur la montagne, automatiquement. Ok, y a pas de souci. Toi, j'ai envie que tu déploies. Voilà. Ah merde, je me suis trompé, c'était pas sur elle que... Oh, c'était sur celui-là qui était tout en haut à gauche.
Le focus. Ah. Je suis trop bête. J'ai mis le focus alors qu'il a mis le... Ok, bon. Allez. Lui, j'aime bien parce que lui, il lance une sorte de boule. Vous la voyez, la petite boule, regardez. Regardez. Ouf, ok, d'accord. Bon, bah c'est la win. En vrai, j'ai du mal à commenter ce genre de jeu parce que j'y ai jamais fait. Et c'est la première fois que je joue à ce genre de jeu. Je sais pas. J'ai pas les termes, en fait. J'ai pas les termes qui viennent directement. Chose que j'ai pas dit, effectivement, pour déployer, il vous faut 6 énergies. Là, actuellement, j'en ai 39 sur 20. Je vous dirai pas pourquoi. Parce que j'ai mis un peu d'argent. Après, voilà, il y a les ressources. En soi, les ressources, elles se rechargent quand vous faites un peu de tout. Donc, en toute honnêteté, vous n'allez pas galérer. Vous n'allez pas être obligé d'attendre 3 jours pour pouvoir rejouer. Ils vont pas vous faire ça, croyez-moi. Pas besoin. Ok, bon, la montagne, on le voit partout, c'est normal. Donc, lui, sa montagne, il faut que je la fasse tomber. Ok, lui aussi, il a focus. Il n'y a pas de souci. Allez, la petite grenade qui fait zizir, qui fait vraiment mal. Parfait. Donc là, vous voyez différentes attaques. Hein. C'est pas moi qui les ordre, c'est automatiquement. Le focus sur leur healer, là, sur leur soigneur, parce que je sens qu'il va vite me saouler. Allez, au revoir. Oula, ça pue. Ça pue. Ok, 3 contre 1. Mais normalement, ça doit le faire. Normalement, je viens de dire normalement. Ouais, j'aime pas du tout ça, Hop. Non, je suis dégoûté. Non, fuck. Ouais, je suis dégoûté. Bon, je veux ma vengeance. Je vais changer lui et je vais partir. Est-ce que je peux... Ah, lui, je peux améliorer. On va regarder si. Parce que lui, je sais qu'il donne du soin à ses coéquipiers. Niveau 23, ok. Passe à 2300. 2300, ça fait du 13000. Parce que je sais que Nolan, il est bien. Il est vachement bien parce qu'il va apporter du soin au soldat le plus blessé. Et donc, du coup, allez, on va voir. Ok, donc là, on compte du 11000. Alors, on peut passer. Hein. Comme vous pouvez voir, pour 500, on peut passer. Mais en vrai. Jusqu'à maintenant, je pense pas avoir le niveau pour chercher à passer. Aujourd'hui, je peux jouer. Qu'est-ce que je peux jouer hein. Je vais pas vous cacher. Allez, focus sur la montagne. Il est là-bas, mon pote. La petite grenade qui va faire des dégâts. C'est fait, boum. Allez, Nolan, s'il te plaît. Dis-moi que tu peux aller soigner quelqu'un. Lui là-bas. Là. Faut le focus. Ok, donc là, vous voyez Nolan qui va heal ses coéquipiers. Il va leur apporter du soin. Bon, des fois c'est pas assez, hein. Je vous cache pas que c'est pas du tout assez. Allez hop. Toi. Un petit coup de gun, voilà. Et du coup c'est la win. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau, je vous cache pas que c'est vraiment celui-là qui a un deck le plus fort qui gagne. Je laisse toujours le doute quand il y en a un qui sait bien jouer. Après on verra si je suis amené à faire de la rank, mais vraiment tryhard. Je pense qu'à un certain niveau... Ça sera plus de qui a le meilleur deck, ça sera celui qui a la meilleure stratégie, effectivement. Dans l'émission, qu'est-ce qu'il y aurait dans l'émission? Qu'est-ce que j'ai à récupérer? Oh, j'en ai beaucoup, donc là vous voyez que là du coup j'ai récupéré pas mal de récompenses, hein, alors que j'ai pas fait énormément de combats. Voilà. Dans les opérations quotidiennes. Donc là voilà, vous pouvez faire des opérations, vous voyez j'en ai déjà fait une à 100%. Dans les événements, alors événements et des événements périodiques, je sais pas comment les appeler, c'est-à-dire qu'ils sont là par moment, ils vont être là durant à peu près allez, 24 heures, ou il y en a qui vont être là pendant 48 heures. Elle, par exemple, je suis à 0%, j'imagine. Oh, ça commence à 10 000, ah ouais, oh là là, attention. Ah ouais, ok, bon, je suis large. Mais il se peut qu'il y ait des fois, il y a des missions quotidiennes qui vont être débloquées, mais votre élite ne sera pas assez élevée. Je vais prendre celle-là. Normalement, celle-là, je suis pas assez élevé. 7500. Ah bah maintenant, si, parce que forcément, je les ai améliorés. Mais, donc, ne forcez pas si vous voyez que vous pouvez pas. Prenez votre temps. Chill and relax. Après, si vous voulez être comme moi, être un déglingo, c'est passer des heures et des heures sur ce jeu. Ah, faites-le, hein, y a pas de soucis. Hein, mais voilà. À voir ce que ça donne par la suite. La rank. À voir s'il y a du compétitif. Après, c'est comme un peu un jeu de cartes. Donc, à voir s'il y a du compétitif là-dedans. À travailler et à surveiller surtout. J'espère qu'ils vont nous sortir un bon truc là prochainement. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire par là, mais j'espère qu'ils vont nous sortir un bon truc. Les guildes, pour l'instant, je peux pas réellement parler parce que j'en ai pas et je suis pas dans une guilde. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de trucs à dire.
Pour les gens qui n'étaient pas au courant que ce jeu venait de sortir, et bah sachez qu'il est disponible maintenant sur Android et sur iOS. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce type de jeu va vous plaire. Écoutez, moi, ça me fait passer du temps, ça me change un peu. Quand j'ai un peu de temps à perdre, et bah, je fais une petite partie ou deux, je sais que ça dure pas très longtemps. Et bah pour ceux qui sont dans le même cas que moi, qui aimeraient avoir un truc pour se défouler de temps en temps, sachez que c'est vraiment bien. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas le pouce bleu si c'est pas déjà fait, à me dire dans les commentaires tout ce que vous avez à me dire. Et puis à vous abonner si vous voulez pas louper les prochains épisodes sur Tom Clancy's. Ouais, elle est squad. Eh ouais, non, parce que je compte faire d'autres vidéos. Si je vois que vous êtes motivé, moi ça ne m'empêchera pas de continuer à jouer hors vidéo. Mais si vous voulez que j'en fasse en vidéo ou bien même en live, on fera ça en vidéo ou en live. Bien sûr, c'était une guilde. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je vais la rejoindre. Hein. Et puis sur ce, les amis, c'était Psytrag. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Bye bye. Oh yeah.